Bienvenue dans la crucifixion. Parmi les châtiments infligés par la justice romaine, la crucifixion était le plus sévère, suivi de l'exécution par le feu et la décapitation. La crucifixion était une indignité pour les classes supérieures. Ceux qui avaient la chance de disposer de la citoyenneté romaine étaient également exemptés d'un tel traitement. Les crucifixions étaient un divertissement couru et apprécié par les populations. Alors que jeter les condamnés à des animaux sauvages nécessitait une arène, la crucifixion pouvait être pratiquée n'importe où. Les crucifiés étaient presque toujours des esclaves, des traîtres ou des pauvres. Si les déserteurs étaient crucifiés, c'est parce qu'on assimilait leur trahison à une mise en péril des citoyens romains. En 71 avant notre ère, en Italie, un vaste soulèvement d'esclaves fut réprimé par l'armée romaine. Il s'acheva par la crucifixion de 6000 hommes et femmes, dont le chef de l'insurrection, un esclave et ancien gladiateur, Spartacus.